Bienvenue dans ma chaîne. Regardez bien ce tableau. Il est composé de deux colonnes. La première est portrait A et la deuxième et portrait B. Lisons les phrases du portrait A. Zygomak est un monstre. Il aime mettre un anneau dans ses oreilles. Il porte souvent un t-shirt et une jupe. Lisons les phrases du portrait B. Zygomak est un monstre rigolo. Il aime mettre un anneau rouge dans ses grandes oreilles. Il porte souvent un immense t-shirt jaune et une belle jupe rayée. Ici, dans cet exercice, on a deux questions. Première, on va la voir. C'est la première question. Dans le portrait A, relève les noms dans chaque phrase. Alors, c'est Zygomak, monstre, anneau et oreille. On va la souligner. Et t-shirt et jupe. On va la encadrer. La deuxième question dit, dans le portrait B, relève les mots qui ont été ajoutés à ces noms. C'est rigolo, on va l'encadrer. Rouge. Est grande. Immense. Jaune. Belle. Et raillée. On va l'encadrer bien. Je retiens. L'adjectif est un mot qui apporte une information, une précision sur le nom. Exemple, un beau but, un score magnifique. Toujours dans « Je retiens », l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Exemple, les abricots secs, masculin pluriel, tarte salée, féminin singulier. Certains adjectifs sont identiques au masculin et au féminin, ils ne varient pas, sauf au pluriel. Exemple, un homme, une femme, sympathique, un travail, une tâche agréable. Ils ne se changent pas. Ou bien ne varie pas en genre. Ces mots, qu'est-ce que sont ces mots? Alors, ces mots est le titre
de la leçon. On va la voir. Première activité. Regardez bien cette phrase. On va recopier ces phrases en relevant leur adjectif. Étroit, c'est un adjectif. Éveillé est un adjectif. Deuxième phrase. C'est un étroit sentier mène à une vieille cabane. C'est étroit. C'est quoi cet étroit? Alors, étroit, on l'a souligné et colorié, alors ça va disparaître. Éveil, on l'a souligné et coloré, ça va disparaître. Passons à la deuxième phrase. Un homme sympathique nous accueille dans le vaste salon. Alors, sympathique est un adjectif. On va le souligner et le colorer. Vaste aussi, c'est un adjectif, on va le souligner et le colorer. Un homme sympathique nous accueille dans le vaste salon. Alors, on va faire disparaître les adjectifs. Sympathique, ça va disparaître. Vaste, ça va disparaître. Alors, est-ce qu'il y a une faute? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Voyons voir. Laissons voir. T, ça n'a pas ça, elle n'a pas le droit d'être ici, car lorsque deux majuscules se on ne peut pas dire cet sentier. Est-ce que c'est logique? Non, ce n'est pas logique. Alors, car dans la première phrase, c'était la vraie phrase dans la première. C'est ce et trois sont. Alors, notre titre est. Et. On l'a dit dans l'activité. C'est l'adjectif. 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 Merci pour votre attention et à bientôt.